Reprenons. Ouais, juste pour YouTube. YouTube, désolé, j'ai oublié de cut avant. Mais tu es présent maintenant pour ça. Et il fallait être en stream pour voir ce qu'on a vu là, quoi. C'est un petit peu des bonus, quoi. Allez, c'est parti. Douleur. Oui, parce qu'en fait, les gens, ouais, on reposte les replays, ça y est. Au cas où. Pour ceux qui ne le savent pas. On a décidé de reposter les replays, mais sur la chaîne principale, cette fois. Ce qui fait que... qu'on en a beaucoup à poster. Et là, on fait des vidéos de 1 heure, à peu près. Pour que ce soit plus digeste pour les gens. Tu puisses faire plus de pauses ou des trucs comme ça. Et merci, Kemnor. Non, mais les places... je pense qu'il faudrait vraiment aller voir le Père Mococo, hein. Parce que j'ai plus de place, déjà, ça me saoule. Petit sabre de la défonce. Mais en plus, si je dis pas de conneries, je crois que le Père Mococo, il est loin. Ça te dit pas de faire un live react sur ce genre de vidéo? Si, franchement, de ouf. De ouf, Chino. Mais je pense que je vais... Genre... Maintenant, les streams, je vais moins me prendre la tête comme avant. Là, maintenant, je fais vraiment ce que j'aurais envie, contrairement à avant. C'est grâce à toi aussi, d'ailleurs, parce que tu m'as vachement aidé à me remettre en question là-dessus. Mais, genre, par exemple, on va jouer, et des fois, je ferai aussi du react tout seul. J'aurais pas forcément besoin absolument de VIX pour tout faire, en fait. Et ça aussi, j'en ai envie... Et tu sais, entre deux jeux et tout... Faire une pause, faire un peu de react et tout. Pour les bouffes aussi, surtout. Mais ouais, j'ai grave envie de faire ça. Ça va vraiment être un peu mes... des pans de vie plutôt que juste des lives précis. Mais on en fera, c'est sûr. Surtout sur ces vidéos-là. Après, j'aimerais bien, tu vois, attendre que de faire le jeu pour voir ces vidéos. Là, par exemple, ce que je disais à Kemnor, c'est trouvez-moi des vidéos drôles que je regarde pendant que je mange. Comme ça, en fait, sur ce jeu-là, à chaque fois que je vais manger, bah, je vais regarder des vidéos fun de Zelda. Par exemple. Et je me dis que ça peut être cool, tu vois. Pour rester un peu dans la vibe du jeu. Saute. Genre, quand on reprendra Elden Ring, il y a une série de vidéos sur Elden Rings. J'attends de jouer à Elden Ring, ça va être une dingue. Oh. Coup de bouclier. Ah ouais, pile au moment. Ah c'est ça, un coup de bouclier, ok. J'avais oublié le coup de bouclier aussi. Yo. Oui. Pourquoi? Ah, ça serait pas bête. Ça vous dérange pas de regarder autre chose? Je suis bien en vrai. Ah bah, regardez autre chose alors. Bah, on le matera demain. Demain midi en mangeant au pire. Ah ouais, mais c'est compliqué là. De toute façon, elle va revenir. Quand elle revient, on l'attend. Hein? Je te promets qu'on le regarde pas sans toi. Ah merde, bah je sais pas. Sinon regardez-le vous, hein, je sais pas. Ouais, bah désolé. Hein. Je suis bien là, hein. Quoi? T'as changé. Vas-y.
C'est bon. Ah, ils voulaient. En fait, ils voulaient qu'on regarde un film. Et moi, je leur ai dit, pourquoi regarder des films quand on peut stream? Ah, il me donne envie maintenant, fais chier! Je me tâte! J'hésite à arrêter. Ah, je sais pas si j'arrête et que je vais regarder un film. Ah, ils font chier, ils m'ont fait hésiter, ils m'ont fait douter. Je sais plus quoi faire. Mais en même temps, il faut que j'avance, c'est ça le problème. C'est pas Vix qui va jouer et qui va avancer la game. Ah, ça non. Toi que tu dois rattraper. Bah ouais, faut que je rattrape, c'est vrai ça. C'est quoi le film? C'est Hôtel Transylvanie 3. On a regardé le 1 et 2, on s'est tapé des mégabars. Vraiment, on a grave rigolé. Et on avait envie de le voir, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas. Vous êtes là, la soirée, ou pas, vous? Genre, ceux qui parlent dans le chat et tout, vous êtes présents ou vous partez bientôt? Ouais, faut que tu rattrapes, ouais, c'est vrai. C'est ça, le problème. Faut que tu rattrapes. Beaucoup de choses à faire, hein. Vixen, elle se rend pas compte, en vrai, hein. Mais c'est du taf, Zelda en extrême, hein. Oh! C'est quelque chose, hein. Puis, comme j'ai dit, c'est pas moi, c'est pas elle, hein. C'est pas elle qui va jouer. Moi, je suis là jusqu'au bout. Ah, ok, dinguerie. Bon, ouais, ça me donne déjà encore plus envie de streamer. C'est compliqué. Parce que autant, tu vois, genre, si je suis tout seul en stream, je vais me dire... Après, il y a toujours quelques petits viewers... Enfin, quelques petits viewers... Des viewers de l'ombre et tout, donc c'est vraiment cool. Mais... si je me sens moins seul sur le live... Ouais, pourquoi pas. Après, s'il y a des gens, c'est vrai que c'est toujours cool de continuer. Et de temps en temps, je serai là. Ça marche. Je suis dans l'ombre. Ah, ça fait trop plaisir. Mais je sais que vous êtes dans l'ombre. Je sais très bien qu'il y a plein de gens dans l'ombre et tout. Enfin, plein, ça dépend des fois, hein, mais... Je sais très bien qu'il y a des gens dans l'ombre et... Et franchement, ça me fait trop plaisir. Donc, je sais que je stream pas pour rien. Franchement, je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé... De... Je dirais de streamer pour rien en mode avec personne. Depuis longtemps, ça... Oh putain. Regardez ce qu'elle m'envoie. Non, mais c'est terrible. Comment tu veux faire, Vixen, qui m'envoie ça? Attends. Elle m'envoie ça, genre... Rejoins-nous. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Je sais plus. Donc je sais, hein, franchement, je sais qu'il y a des gens dans l'ombre. Je ne vous dénigre pas, au contraire, hein. C'est juste que ça me fait réfléchir en mode... Est-ce que j'y vais ou pas? En vrai, je suis bien sur le jeu. Non, je vais continuer. Non, je vais lui dire. Je suis... Désolé. Mes viewers me forcent à rester. Ah ouais. Je vais lui dire que vous m'avez obligé à rester, comme ça elle pourra rien dire. Ça, hein. Princesse de la sérénité. Non, j'espère que j'ai vexé personne, par contre, pour les viewers de l'ombre. Vraiment, c'était pas le but. Au contraire. On a besoin de vous, vous le savez. Après, je suis là pour les bars. Zelda, c'est pas trop mon jeu. Vivement la reprise des Dofus, mais tellement. Mais en vrai, putain, c'est encore plus ouf, Eclipse, que tu me dis ça, parce que... Putain, le fait que le jeu, c'est pas trop ton style et que t'es quand même présent, enfin, c'est insane, tu vois. C'est quand même pas rien, quoi. Ça me fait trop plaisir. Et moi aussi, j'ai trop hâte, en vrai, de Dofus. D'ailleurs, je le vis super mal que Dofus ait pas repris en janvier. Parce que moi, j'attendais ça, tu vois. J'attendais vraiment de refaire Temporis en janvier, quoi. La viewers demande que tu ne restes pas. Mais c'est compliqué, Nacha. Avril, le rétro. Ouais, d'ailleurs, ça m'inquiète, Eclipse. Parce que en avril, j'ai mes gamins. Et j'espère que ce sera pas le moment où je les ai. Sinon ça va être la merde. Donc j'ai vraiment envie de le faire et j'ai vraiment envie de refaire la guilde, tu vois. Logique. Pas content. Ah Nacha, je sais, je suis désolé.
Moi aussi, c'est dur. Mais le jeu m'appelle. Ah. Mais en plus, il est tard déjà. Vixen, elle va se coucher là. En vrai, je préfère le maté d'après-midi parce que. Ah, c'est, vous êtes dur, hein. Vous êtes terrible, hein. Vous êtes terrible. Vous vous rendez compte? Moi, je stream parce que je rêve d'être streamer. Ok? Je fais tout, je fais des défis, je galère et tout. Et là, on me dit, non, mais vas-y, frère, arrête. Arrête et viens jouer, quoi. Enfin, viens regarder. Méchant. Vous êtes très méchant. Moi, je vous propose un truc, Vixenacha. Je vous propose un truc. Demain midi, on se mate le 3. Comme ça, ce soir, je peux jouer à fond. Je joue à fond ce soir et demain, on se mate le 3. Ça ressemble à du harcèlement, je suis témoin. Merci, Eclipse. Parce que moi, j'ai vu des menaces aussi, hein. Ou conséquences, hein. T'as oublié de prendre le pantalon ilien. Mais il est à un endroit caché, le pantalon, non? Conséquences, mais vous êtes... Je vais clipper ce passage et je vais le garder de côté au cas où. Mais vous êtes méchant! Moi, je vous propose quand même de regarder le film demain. C'est super gentil de ma part. Bye! Elles sont terribles. Elles sont terribles. Hein. Et là... Ah, il me faut des ailes! Ok, il me faut des ailes. Putain, je suis deg. Ok, il me faut des chauves-souris. C'est tellement des enflures. Bon, pour ceux qui savent pas, Nacha est chez moi en ce moment avec Vix. Enfin, Vix, c'est normal qu'elle soit à la maison. Mais Nacha est avec nous. Et donc elle fait un peu la loi, tu vois, quand elle est là. C'est un peu ce qui se passe quand on est deuxième en sub de la chaîne. Elle commence à faire leur loi, à plus se sentir, tu vois. Et à créer des débordements. C'est compliqué, hein, de gérer les viewers, des fois. Pas facile, hein. C'est ça aussi, de leur apporter un peu de confiance, de leur dire « Ouais, mais vas-y, ça serait cool qu'on se voit et tout, tu vois. » Donc, mais bon. Compliqué, des fois. Ah, la vie de streamer, c'est pas facile, les gens. C'est pas facile du tout. Faites toujours attention. Ça, il doit arrêter le live, mais vous êtes... Elle a fait un sondage. Les gens, j'ai besoin de vous. C'est le moment. C'est votre moment. C'est votre moment, les gens. Si vous voulez que ce live continue, c'est maintenant. C'est à vous de voter. C'est vous qui décidez. Voilà. Oui, c'est pour que j'arrête. Non, c'est pour que je continue. Y a pas l'option oui, non. Y a pas l'option non. Mais vous êtes quel genre de détraqué pour faire ce genre de sondage? Putain, non, mais sérieux? Mais vous êtes des... vous êtes des ouf! Attends, mais... Attends, est-ce que je peux... Non, je peux pas, hein. Merde. Mais vous êtes des fous! Vous avez bien fait, ne jouez pas dans son jeu, ne rentrez pas dans son jeu. Shino a dit non, donc tu restes. C'est vrai que... Shino... Ouais, mais au final, Nacha... Nacha, c'est un truc important. Il y a le passé et le futur de la chaîne, d'accord? Et ça, c'est important, ce qu'il faut comprendre. Le passé, c'est le deuxième. Le présent, c'est le premier. Être un gagnant, c'est ça qui est important. Et moi, je dis que, quand même, il faut que je donne aussi un peu de crédit à la à la number one, quoi. Et voilà, Shino a gagné à ce moment-là, aujourd'hui. Mais tu avais gagné à l'époque. La direction, c'est Alzheimer. Mais vous faites des trucs truqués, c'est de la triche. Ah, il me faut la boule.
Mais je m'amuse. Ça fait longtemps que je me suis pas amusé sur un jeu. Chino, actionnaire majoritaire. Oh, oh, ça fait tellement mal. Oh, 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 j'aurais pas... j'aurais pas aimé. Hein. Nacha, vraiment, t'es l'actionnaire dans mon cœur. Hein, vraiment, promis. Hein. C'est juste que je suis un peu perdu. Ils ont refait le sondage. Alzai peut-il rester maître de lui-même? Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la roulure. Je préfère investir, c'est une valeur sûre. Ah, oh, l'enflure. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Oui, oui, oui. Oh! C'est fou ce qui se passe. Attendez, attendez, il se passe vraiment ça? On va vraiment pouvoir continuer ce live? Non, mais j'avoue que ça me donne envie en même temps, un achat. Je te jure, j'ai trop envie de regarder le film. Mais... c'est compliqué. En subir les conséquences. En subir les conséquences. Les conséquences. Je suis obligé de vous montrer ça. Elle est où? Elle est... Mais en plus, pour ceux qui connaissent pas cette dinguerie. Subir les conséquences. Les conséquences. Alors, c'est ce qui se passe quand je veux pas... quand je continue de live. Tu espères qu'on va dire ton nom? D'accord. Raleigh est la capitale. Oh là là. Les conséquences. Les conséquences. Ah, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Ah, vous me tuez. Franchement, vous me fumez. Les conséquences. Oh, j'en peux plus, mais putain, je veux juste jouer, moi, à la base. Cette room est en émoto de lit, mais je dis... Oh putain, j'en peux plus, quoi. Oh, le stream est détruit, quoi. Oh, j'en peux plus. Putain. Mais est-ce qu'on peut pas le regarder demain, le 3? En vrai. En vrai, ça serait pas mal, non? En vrai, ça serait stylé. On va t'en prendre. Chino qui doit se démener en mode modo, en mode survie et tout de la chaîne. Insane. Tu m'as trouvé. À la revoyure. À la revoyure. Putain, je récupère mes pommes par contre, frère, hein. Je suis en extrême. Oh. Oh. Ça va. On va pas faire une guerre, mais c'est déjà trop tard. La guerre a été déclarée, Chino. Ah putain, y'a ça. C'est qui, elle? Non, mais en vrai, je sais que je me tâte et tout, mais... Nacha, est-ce que tu m'en voudrais si je continuais? Velouté de légumes tempo? J'ai besoin que d'une seule carotte, ok. Ah oui, elle me connaît, hein. Elle sait que si elle dit oui, elle a gagné, quoi. Je m'amuse! Mais c'est fou! Mais je reprends les streams! Les gens veulent que je reprenne les streams! Et après, ils veulent que je les arrête!
Ah merde, je disais, est-ce que ça te dérange vraiment si je continue ou pas? Parce que... C'est ouf ce que je veux dire. Parce que pour toi, si vraiment tu veux absolument le voir ce soir, je suis prêt à m'arrêter. Et à venir. Je referai un stream la prochaine fois. Donc... C'est toi qui décides. C'est vrai ce que je dis. Je déconne pas en plus. Je déconne pas. Je vais pas me mettre à rager, je vais pas... J'accepte. Ah bah quand même, on va pas se mytho. Hein. Y a des gens que j'aime bien et des gens que j'aime pas. Y a des gens par exemple, s'ils vont me dire « Oh allez, arrête le live pour regarder ça !» Je vais dire « Non, je vais faire 3 heures de plus. » Comme ça, on pourra pas le regarder après. Je te connais plus... Je te connais depuis plus longtemps que Shino. C'est quand même pas rien. C'est tout ce que je dirais. Je n'ai pas de préférence. J'aime tout le monde pareil. Enfin si, je me préfère moi. Mais sinon, j'aime tout le monde pareil. Non, pas moi, parce que moi je m'aime beaucoup vraiment. Mais en dehors de ça, j'aime tout le monde pareil. Sauf moi. Et Castiel aussi, Castiel je l'aime. Merci beaucoup, Nacha, merci beaucoup. Nous avons calmé... on a calmé une force supérieure là aujourd'hui. Je suis très fier. On essaie de le voir demain, car ça serait cool. Ça me va, hein, franchement, je serais chaud demain. Et passer une bonne soirée avec ta femme. Ouais, profite d'elle. Vu que je suis pas là... Faut bien que quelqu'un s'en occupe, hein. Pour pas qu'elle me quitte. Merci, merci de t'occuper de ça aussi, d'ailleurs. C'est horrible. On va prendre les petits champipi, voilà. Mais ce live, c'est n'importe quoi, en vrai. C'est parti dans un délire. Ah, por fin despertaste. Ah mais grave. Mais je kiffe, hein, je trouve ça hallucinant. Link. Me recuerdas, soy más vieja que cuando nos conocimos. C'est vrai que pour les voisins, ça va être la mère de Vix. Oh. J'avais pas vu le titre. J'arrête le live et je regarde Hôtel Transylvanie 3. Ah oh mais c'est... Oh putain, j'en peux plus quoi. Oh c'est énorme. Putain, c'est bizarre par contre que tu puisses pas changer le titre. Shino, tu peux changer le titre toi ou pas? Je sais pas comment faire, ah merde. Après, Nacha, c'est bizarre parce que Canix, il avait réussi à changer le titre. La dernière fois. Tu peux voir un truc. Si tu fais slash titre, non? Point d'exclamation, titre? Je sais pas. Ah mais... Comment ça se fait que t'as pas les droits là-dessus? Shimodo, sur une chaîne de quelqu'un, normalement, on peut changer les... Vos pronoms. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Ouais. Donc là, il faut qu'on aille la photo directe. Tadam, tadam. Ah si. C'est vrai qu'il faut que je change le titre.
Voilà. Échangé. Attends, il y a peut-être des trucs en haut, non? Mais c'est normal, Kemnor. C'est normal. La baisse. La bouillabaisse. En même temps, on a détruit le stream. Il faut bien qu'il y ait des gens qui s'en aillent. Et tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des private jokes en fait sur les lives aussi. Quand t'es pas concerné, tu comprends pas, c'est logique. Après, je m'en fous des baisses, hein, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Laissez-moi vivre ma baisse tranquillement. Il me faut des ailes de chauve-souris, moi. Achète-moi un truc. Qu'est-ce que je peux vendre? L'ambre? J'ai l'impression que ça sert qu'à être vendu encore, ça. Tout le stock. On vaut 1000 viewers chacun. Mais c'est vrai ce que tu dis. En vrai, ça me convient déjà vachement bien, là. Moi, je suis content, il y a un peu de discussion et tout, tu vois, et c'est très agréable. Puis ça part un peu en couille et tout, je trouve ça encore plus drôle. Ça, je l'ai vendu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? Oh, t'as fait quoi? Pour changer? Set title? C'est point d'exclamation? Ok. Oh, excellent, attends. Ça, c'est une super nouvelle, par contre, merci Chino, hein, bien joué. Je sais pas si t'es encore là, Nacha, mais si tu peux essayer, ça serait pas mal. Opale, ça se vend aussi? Les... Je sais pas si vous savez, les gens, pour les opales, je peux les vendre? Ou il vaut mieux que je les garde? Attends un peu, quand même. Aucune idée, ouais. Et la même chose pour catégorie à la place de titre. Ok. Putain, bah merci beaucoup à Tiffany, ouais. Putain, elle a géré. Donc la tunique ilienne, ouais. Ouais, mais les pierres... Oh, super. Nickel, bon, bah parfait, c'était ça. Elle peut danser, hein, franchement, bien joué. Et merci, Kemnor. Ok. À savoir que j'imagine que cette tenue, ça peut être pas mal en vrai. Hein. Furtivité. Je me dis, pour les ennemis, ça peut être stylé maintenant. C'est cher. Hein. Je reviendrai. Oh ouais, remettez-moi le titre, eh. Merci. Et cut. Ça, on l'avait fait. Ça marche. Là, il y a une cut. Là, ces quêtes-là à refaire, c'est vraiment relou. Il est énorme. Franchement, je suis chaud. Tu peux le laisser, Vix. Il est génial, ce titre. Il est vraiment trop bien. J'abandonne lâchement ma femme pour jouer à Breath of the Wild. Il est énorme.
franchement, je crois que je vais mettre ce titre-là la nuit quand je joue. Franchement, c'est trop trop bien. Je crois que je vais me le noter, mais je te jure, je crois que je vais le remettre et tout. Hein. Tiens, ta cocotte. Ah ouais, il y a plus d'endurance, ça fait du bien. Tintin. Mais je l'ai déjà fait, Shino, je suis deg, mais je l'ai déjà fait. Donc je connais. Et ouais, je suis vraiment deg de l'avoir découvert avant, ouais. Mais je le sais. Vous ne m'aurez pas. Surtout pas en extrême. Surtout pas à la fin d'une quête. Quoi, c'est... Il m'en manque une ? Une cocotte ? Gueule. Abusé, hein. C'est bon ? J'ai gagné ? Oui. Yes. J'avais marqué aussi, je quitte le lit conjugal pour chasser des poules, mais ma tablette a plus de batterie et elle s'est éteinte. C'est vrai ? Au moment où Naïs a coupé internet sur son ordinateur. Au même moment. Énorme. Énorme, ça c'était stylé de ouf. On a gagné, c'est ça ! On a gagné ! On est les meilleurs ! J'en peux plus. Ça va toi ? Oui. On a beaucoup rigolé aussi. Nous aussi. Enfin, tu l'as vu avec le chat, oui. Mais en tout cas, moi j'ai bien rigolé aussi. Tu peux me prendre un Kit Kat, s'il te plaît ? Non. S'il te plaît. Allez, c'est au moins la récompense de la victoire, quoi. Elle est pour moi, ouais. Bah, prends-en un aussi, il en reste. Coucou, j'ai un test à faire moi aussi, si tu veux bien. Yo Tiffany, comment ça va ? Merci hein, pour le titre. Je cherche un poulet. T'as un test à faire ? Un test de quoi ? Oh Castiel ! Ou alors ? Plus détendu, je dirais. Je dirais, après toute cette pagaille qu'il y a eu, je me sens détendu. Je me sens reposé. Merci. À toutes. Voilà, écoute-toi. Laisse ta faire si tu veux bien d'une commande. Ouais, vas-y. Tu peux là. Link ! Mais cacate ! Mais jolie cocotte à son revenu. Et moi mes Kit Kats sont revenus. Ok, faut que je ramène la carotte aussi à l'autre. Merde, elle est où ? Non, viens là, gamine.
Non! Mais je comprends pas, j'avais une carotte tempo là. Je devais lui donner. Bizarre. Vas-y, t'es sûr qu'elle dort? Faudrait que j'aille dormir alors là. Oh, c'est la loose. Attends, fais voir un truc. Ah putain, non. Oh, c'est relou. Il est midi, je vais dire le matin. C'était violent le ban. Mais comment ça... Attends. Non, ça a pas marché pour Kemnor. Tu peux pas le ban là. En fait, pour une exclamation ban, c'est le message de base. Je ne te crains pas. Castiel, il vient de shooter dans la caméra. Con de chat. Ah ouais, il a vraiment shooté dedans en fait. Sérieux? Oh, il me saoule des fois. Ouais, c'est mieux. Après, Chief, t'es pas modo, donc c'est normal que ça marche pas, non? Ça serait chelou si tout le monde pouvait ban. Ça m'étonnerait que tu puisses ban si t'es pas modo. Hein. Tu vois? Ah ouais? Non, tu déconnes, il y a des VIP, ils peuvent ban. Heureusement que t'as testé alors. C'est vénère. Hein. Ok. Ouah, c'est choquant. Hein. Putain, cette quête me saoule. Je suis quelqu'un qui tient à mort la chaîne et qui est présent à 100%. C'est vrai ce que tu dis. Sauf certains jeux pour pas me spoil. C'est vrai, c'est décevant, mais c'est vrai. Non, tu as raison. Et je reste jusqu'à ma mort. Oh, le vrai bro. Écoutez-moi ce dialogue de bro. Ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Nous aussi, on tient à toi, Kemnor. Je suis une princesse. Oh! Salut, Poire! Attends, c'est... Ouais, Poire a renouvelé son abonnement. Oh, merci beaucoup pour le sub! Comment tu vas, Poire? Je donne une carotte à cet enfant. Je vais donner ou pas? Lui faire du velouté de légumes et voilà que j'oublie d'acheter de la carotte. C'est à lui faire de mon mieux pour remplacer... Ouais, mais attends. Non, il va pleuvoir? Non, tu déconnes. Pas du feu quelque part? Il y a du feu. Là, je vais mettre du feu. Là. Est-ce que tu vas finir cette quête de ces morts? Et donc, je balance une carotte tempo là-dedans? Contente? Ah, ton bot veut battre tout le monde pour spoil. Attends, quoi? C'est terrible.
Ça va et toi, juste un peu malade en ce moment? Ah, dur point. Bah, moi, ça va vachement mieux. De mon côté, beaucoup mieux de tous les côtés. Ça fait du bien, ça fait tellement du bien. Sauf cette gamine. Mais sinon, à part ça, ça va. Attends, les recettes de coconas. Carotte tempo, la pauvre malheureuse ne sait plus quoi faire si seulement vous aviez une carotte tempo. Mais j'en ai! C'est une carotte vigueur, j'ai menti! Oh! Ça va venir au fait, on va bientôt mettre les points de chaîne. Banne-moi et banne-le au fait. Voilà, c'est cadeau, c'est un petit teasing pour la suite. Mais grâce à vos points de chaîne, vous pourrez bientôt ban des gens et vous ban vous-même aussi. Parce qu'en fait, je pensais à un truc cool, mais des fois à Pouvoir, tu vois, quand il sort des dingueries, il est en mode au secours, je veux m'en aller et tout. Bah, grâce à ça, il peut en fait. Vous pourrez tous, et c'est grâce à lui, merci. Non, moi je prends pas parti là-dessus, désolé, faites ce que vous voulez. Moi je vous laisse vous entrebattre. Eh oui, j'ai la carotte, gamine. Et malade comment, pouvoir malade Covid ou malade. C'est dur Eclipse, hein. Surtout que des boutons, il va y en avoir de plus en plus, donc Ah, j'avoue que des fois c'est pas facile. Hein. Puis il est long à atteindre le VIP en vrai. Non, vraiment le VIP. Faut avoir la motive, hein. Ok. De toute façon, il va falloir qu'on se fasse des plats de ouf, hein. Parce qu'avec avec le mode extrême. Un peu vénère. Attends juste. Oh, le titre de Vix, il est génial. Juste, je vais le mettre là. Voilà. Ah, quand même, 38 000, c'est pas mal. Ok, on a fait cette quête, on a fait celle-là. Il y avait quoi d'autre à faire ici? Il manquait des trucs ou pas? Et puis s'il y avait d'autres quêtes ici? Je crois pas. Symptôme grippo, j'ai pas consulté mais ça a l'air de passer. Ah ouais, relou. Oh, relou de ouf. Alors en fait, il s'est passé des dingueries, poire. Des bisous Tiffany. Merci d'être passé en tout cas. Et merci d'avoir détruit Sly encore plus qu'il ne l'était. J'apprécie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a harcelé pour que je teste le mode expert. Donc j'ai arrêté le jeu et on a recommencé en extrême en fait. Voilà ce qui s'est passé. On a un peu foiré. Donc là, on est bon. On va aller à la quête que je veux faire. Alors la quête que je voulais faire, c'était... Ah, mais il y a trop de ex là. Ex. J'en ai pas autant pourtant des ex. Faut que j'aille voir la vieille. Bah, y en a un avec les DLC, poire. Je sais pas si tu les as fait. Et en fait, on s'est chauffé. Il y avait une promo d'ailleurs aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, on se chauffe à acheter... le DLC de Breath of the Wild, et il y avait une promo encore pendant 5 heures de 5€ de réduction et tout sur les 19, on a payé, enfin non, 6€, on a payé 14€. Trop stylé. Vraiment la dingue. Tout parfait quoi. Ouais, le village d'Elmiette. Ouais, c'est là que je dois aller. Ouais, je te jure, moi aussi ça m'a choqué. Mais il y en avait. Ouais, c'est ça, 13,99 là, il était au lieu de 20 balles. Ouais, sur le Nintendo Store, je te jure que c'est vrai. Attends, j'ai une photo. Enfin, je sais que tu me crois, hein, mais je vais vous montrer, c'est une dinguerie, j'avoue que ça m'a choqué. Hein. Hop. Je l'ai posté sur le Discord.
là. Attends, mode studio. Oh, ouais, c'est bon. Regardez ça. Regarde ça. 19,99, 13,99. C'est une dinguerie. Y'a quelqu'un qui a fait un AVC chez Nintendo, je vois pas d'autre explication. Mais de ouf. De ouf. Ça m'a trauma aussi, j'étais en mode, mais c'est impossible, genre. On parle de Nintendo là, genre, ça peut pas arriver ça. Genre, le coup de bol ultime quoi. Les 5 dernières heures, bah voilà. Un gros coup de bol. Ouais, allez, faut que j'aille là-bas. Ah, merci Kemner, c'est gentil de me l'avoir dit par contre. Donc ouais, c'est pour les deux DLC en plus, hein, c'est pas un seul, c'est ça qui est stylé de ouf. Ah, mon cheval, il est là, putain. Impressionnant. Et en fait, ouais, le jeu était vraiment cool, donc on a pris le DLC. Et il y a le mode extrême, le mode expert, dans le DLC en fait. Ouais, il y a deux DLC. Ouais, il y en a deux, il y en a deux. Et tu l'as fait ce jeu, Poire ? Parce qu'on en a pas beaucoup parlé avec toi de Breath of the Wild et je sais pas si tu... Ouais, si, peut-être que oui en fait. Ah ouais, t'as eu ta dose toi. Genre trop long le jeu. Ah, je comprends en vrai. Hein. C'est quand même quelque chose, hein. C'est vénère. Ah, champion de concours. Oh, j'ai une quête. Hey, c'est quoi ce regard? Tu me regardes. Tu ne me crois peut-être pas, ouais. Tu l'auras voulu. Je vais te donner une leçon que t'es pas prêt d'oublier. Essaye un peu de battre mon record. T'arriveras jamais à débourrer. Waouh, à bourrer ton cheval comme moi. C'est moi, le plus gros bourreur de cheval du monde. Non. Ouais, non, franchement, frère, les courses, ça me gave. Vraiment, je n'aime pas les courses. Et puis, il y a un truc que je déteste, c'est les courses. Par contre, il y avait un truc avec la selle magique. Emmener un cheval. Tu veux la... J'avais oublié que je l'avais appelé lasagne. Ok. Ça va, juste pas ultra fan des open world. Ah, je comprends. C'est quand même quelque chose, hein, les open world. Je passe en lurk, go farm sur Hogwarts. Ça marche, le Chino. Profite bien. Merci. Pour le lurk. Par contre... Ce que je comprends pas, c'est qu'on m'a parlé d'une... D'une laisse. D'une selle magique, en fait. Je sais pas où elle est. C'est dans les 4 là. Ancien. Téléportation. Relais du sud, ouais. Drôle de masque. Relais de la forêt. Armure de l'au-delà. Casque d'usurpateur. Le harnais antique, ça doit être ça. Il semble que l'édition spéciale ex Bougette c'est tout, consultable au relais des alpages, contient le détail, ok. Ah donc attends, il y a des trucs ici. Non, il y a rien. Allez. Oh oh. Oh oh. Allez go. Maintenant on veut les photos. Oh, c'est feignant. Bah oui. Oh.
Ah, Vix, elle a une voix pour les Korogu qui est exceptionnelle. Genre, elle est née pour ça, quoi. Ah. Mais c'est chiant à contrôler, les chevaux. Descends de là, toi. Non. Non, non, non. Oh non, non, non. Pas sur le bureau. Ouh, il s'est passé quelque chose là. Ouais. Ça marche bien, j'ai eu un doute. Non, c'est de la merde, les chevaux. Ah, tu parles de la voix ? Ah, la voix de Vix, ouais, ouais. On va récupérer tous les cadavres. Hein. Mais s'il y en a un, c'est pas un cadavre, je peux pas assumer. Jamais j'en assume une vraie, là. Hein. C'est trop dur. Ouais. Allez, petit cadavre. Donne-moi ton loot. Voilà. Ouais, j'apprécie. Il faut rester mort surtout, hein. Putain, Castiel, il me saoule des fois. J'ai l'impression qu'il veut bouffer les câbles. Je vais aller me coucher. Je laisse tourner le stream, il est déjà presque 3 heures. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas la même fuseau horaire. Il y a que sur nos fuses qu'on me parle pas d'heure. Ça marche, Eclipse. Merci beaucoup pour laisser le tourner le stream. En tout cas, c'est trop gentil. Des bisous, à bientôt. Et ouais. C'est vrai que des fois, pour d'autres gens, le fuseau horaire, c'est vénère. En ce moment, j'ai une vie un peu plus normale en termes d'horaire, donc... pas habitué à me coucher ultra tard. Mmh. Non, non, non. Non, je l'assume pas lui. Hein. Non, non, je peux pas l'assumer. Coucou. Tu veux voir mon laser? Non, sérieux, sérieux. Je pense. Non, non, je peux pas. Je sais même pas à quel moment je pourrais le battre. Hein. C'est trop vénère. Hein. Oh, bâtard! Mais sérieux. Oh non. Voilà, ça devrait le faire, non? J'ai des armes. Non. Non. Oh. Qu'est-ce que je fais? C'est trop bien de jouer en difficile, hein. Tiens, mange tes morts. Après, niveau vie, ça a l'air d'aller, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'ils ont de la vie, mais ça reste faisable. Je me trompe. On va se barrer, hein. Ouais, ils font super mal, hein. C'est vraiment vénère. Hey. Oh, salut. Je m'appelle Eptus. Tu es venu... Oh. Castiel, dégage. Tu es venu admirer la muraille d'Elmite, toi aussi? Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Oh, j'en étais sûr. Il faut dire que la visite vaut le détour, pas vrai? La muraille d'Elmite fut le dernier rempart pour le village d'Elmite au temps du grand fléau. C'est le genre de choses qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie, non? Ouais. Trop bien, bro.
Puis à un moment, je me suis pris un coffre sur la gueule et je suis mort. Je me suis fait one shot par le coffre. Ça m'a assez perturbé. Alors attends, moi il faut que j'aille là-bas. Ah ouais, mais là c'est bloqué. Comment j'y vais? Je peux rentrer? Salut? Perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la voie des épreuves secrètes. Je suis sûr que c'était par ici. Tu fais quoi, là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, je vois, tu as deviné que c'était... que j'étais le grand archéologue Kali. Et tu as décidé de m'accoster. Comment ça, tu ne connais pas Kali? L'illustre Kali qui a dévolu son existence à l'étude des sanctuaires antiques. C'est une occasion inespérée. Tu peux te contenter de retenir mon nom pour commencer. Enfin non. Surtout ne m'appelle pas Kali. Appelle-moi Maître Kali. Personne ne veut jamais m'appeler Maître. Bon, je suis en train d'analyser un texte antique particulièrement retors, figure-toi. Alors, si tu veux quelque chose, faudra repasser plus tard. Hein. Un texte de quoi? Après toutes ces années de recherche, voilà ce que je m'apprête à faire. La découverte du siècle. Tu comprends? Bien que je n'ai pas envie qu'on me la vole, je n'ai même pas parlé à ma famille. Je vois. Ouais, je vois, Maître... machin. Il m'a appelé Maître. Il m'a appelé Maître. J'adore ça. Ai-je bien entendu? Tu m'as appelé Maître. Et tu l'as fait spontanément, comme si ça venait du cœur. Bon. Très bien. Tu m'as mis de bonne humeur, alors je veux te dire de quoi il retourne. Mais tu as intérêt à tenir ta langue. En m'appelant Maître en plus. Perse, ouais, on l'a déjà lu ça. C'est là le texte sur lequel je concentre toutes les formidables ressources de mon esprit supérieur. Un néophyte tel que toi ne risque pas d'y comprendre quoi que ce soit. Mais j'espère que tu es content maintenant. Voilà à quoi je passe mes nuits le jour. Je fais des fouilles sur le terrain. Résultat, je n'ai pas une minute à moi. Alors, au revoir. Ok. Je n'aime pas ce mec. Déjà, un gars qui a envie qu'on l'appelle Maître, c'est un peu chelou. Pas vrai, Maître Gibbs? Hein? C'est quand même un peu bizarre quand on y pense. Mais ouais, voilà. Déjà, ça aide pas. Ah, la vie du papy, génial. On adore. On apprécie les histoires des vieux. Ça. Le truc, c'est qu'il faut que je garde une des épées. Ça va me servir après. Là. Ouais. Ah oh, putain, il y a des pommes partout maintenant. Je crois que j'ai vu une seule fois SPNJ. Oh, c'est déjà une fois de trop en vrai. Ah, j'ai pas vu une seule fois. Moi, c'est ça que j'aime bien quand tu regardes des rediffs de Zelda, c'est que personne fait les mêmes trucs, tu vois. Donc tu, en regardant des rediffs, tu vas faire « Oh putain, mais on peut faire ça, c'est dingue !» Et ça, je trouve ça super cool, pour le coup. Genre, aucune rediff est réellement pareille. Coucou. Encore plus avec les... Les Korogu, quoi. Les Korogu, les Mokoku. Les Korogu. Oh, les pommes! Les poissons! Je vais mourir. Si, mais tu sais que j'étais un peu comme toi en mode y a des PNJ dans le jeu. Mais en fait, ouais, il y en a. Y a vraiment des trucs. Hein. Genre, à ce qui paraît, le jeu il est pas si mal. Hein. C'est moi qui le dis. Hein. C'est moi qui dis ça dans Zelda, c'est chaud. Attends! J'ai appris la pêche en Amérique. Merci papa. Maintenant je sais pêcher à l'américaine. Prends une dynamite, tu la lances. Et c'est la pêche. Ouais. Putain ouais, mais je fais un détour de malade là en vrai. Qu'est-ce qu'il fait le cheval?
Oh, un cœur antique. Salut, tu as devant toi Beis, le chasseur de trésors. Il y a quelqu'un à la pointe d'Alaka, très loin au nord d'ici, qui achète les pièges détachés de gardiens. Sans cette personne, j'aurais déjà dû changer de métier. Question, est-ce que tu t'intéresses aux carcasses de gardiens? T'as des matériaux? Quelque chose t'intéresse? C'est une bonne question en vrai, je sais pas. Je sais pas parce que... Je sais qu'il y a une meuf là qui nous en demande. A plus. Mon cheval il vient ou pas là? Espèce de feignant. Oh, il est lent le cheval. Non. Oh oh. Allez, dépêche-toi là. Pas le temps. Il est vraiment pratique le cheval. Je suis en train de réaliser que je suis en train de faire le château sans me rendre compte de ce que je fais. Mais t'es un malade. Mais t'es ouf Kemnor. Faire le château. Ah ça va être lourd, on va devoir se retaper le village là. Ok. Mais il y a plus un seul. Oh mais non mais sérieusement. Putain qu'est-ce qu'il. Vas-y, je vais tuer le cheval, je m'en fous là. Ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est con le cheval. Eh ben ouais, oui, j'ai compris que j'étais. Y a plus de rouge. Y a que des bleus et des marrons. Ça devient difficile, hein. Oh non, j'étais mort. Oh ouais. Oh. Ouah, mais y'en a beaucoup des ennemis. Je fuis, je suis en train de fuir, j'arrive pas à y croire. Ça fait tellement mal. Et ouais, il va falloir qu'on fasse des potions, de la bouffe et tout, là, ça va être super important. Sincèrement. Ah oui. J'étais mort. Ça doit être celui là-haut, non? Non mais sérieux, mais il fait tellement mal. Ouais mais y'a pas vite, j'ai le droit. Oh. Je me barre. T'imagines le balèze qui me met dans la gueule en vrai. Il m'enlève la quasi-totalité de ma vie, ça me déprime. Ah et là je suis au village, ok. Donc dans ce village il y a quelques quêtes je crois à faire. Ah il y a la quête du cringe man là. Il est où? Là. Ah mais comment c'est vénère. J'arrive pas à croire que j'ai failli mourir comme ça quoi.
Oh, il y a Castiel qui dort à côté, c'est magnifique. Il est trop mignon. Si jamais vous avez des points et que vous voulez utiliser la 4cam, c'est maintenant. Je vous le dis pour une raison, c'est que là, Castiel est mignon. Des fois, il est même pas là. Là, au moins, il est là. Oh. Je la prépare. Oh, merci, Poire. Merci pour ce moment de tendresse. Ah, je vous l'avais dit, hein. C'est ouf, hein. Là, il dort. Oh, c'est sa zone. C'est son spot et tout. Il est trop bien là-dedans. Alors. Ah, oh, putain, non, c'était ça. Attends, j'ai une idée. Je me rappelle de ce qu'on avait fait. C'est genre, tu fais ça, tu fais comme ça. J'avais trouvé ça la dernière fois. Là. C'est énorme. Je suis pas sûr. Oh. Vas-y, ouais, je veux bien voir. Tu peux faire autrement encore? Tu peux inverser? Non! Tu peux le mettre à l'envers? Non, sérieux? C'est énorme! C'est trop stylé. Ah, c'est... Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'ils aient laissé faire. C'est trop, trop intelligent. C'est trop drôle. Je trouve que ça donne encore plus de délire au jeu, genre tu sens que tu peux faire ce que tu veux si tu réfléchis. C'est trop cool, c'est vraiment stylé. J'aurais jamais pensé par contre. Hmm. Ça non plus. Oh, il est tellement mignon, vraiment, c'est ouf. Yes. Tum, 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 tum. Je pensais pas que tu pouvais magouiller encore plus que ce que je faisais, tu vois. C'est vraiment trop génial. Ouais, c'est trop bien, hein. Parce qu'en vrai... En vrai, Le jeu est chiant là. Si tu dois le faire à chaque fois, le nombre de fois où tu te plantes, c'est chiant. Donc je pense que ouais, si tu réfléchis pas, tu galères. C'est pour ça que je trouve les temples super cool dans Zelda. Je trouve trop bien. Oh là là. Oh, JPP quoi. Il est trop mignon. Demain, on coupe les coucouilles. On coupe les coucouilles demain. Pas vrai? Mais oui. Mais oui, ça va coucou demain. Mais oui. T'es tellement mignon. J'adore les chats. Donc là-bas, c'est la maison, faudra voir plus tard pour l'acheter. Pas des blagues, hein, c'est demain. Demain, faut que je l'emmène à 8h30 et je le récupère vers 16h à peu près. Il y avait des gamins qui avaient une quête ici. J'aimerais bien la voir, cette quête. Parce que pour le coup, j'ai l'épée de la quête. Il y a un gamin, en fait, il veut montrer une arme à son papy mort. Je crois que c'était son arme à lui, je pense. Ils sont où? Je sais pas. Ok.
Là, il y a la meuf pour une quête de temple. Je vais la prendre. La quête. Ouais, faudrait y aller aussi. Ok. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est l'appareil photo. Parce qu'une fois qu'on a l'appareil photo, un monde s'ouvre à nous. En fait, quand on a l'appareil photo, je veux retourner au début du jeu pour faire la zone, en fait. Parce que vu comment c'est dur, j'aimerais bien poncer les zones une par une. Là, le jeu, vraiment, il est un peu vénère. On passe mytho. Ouais, mais tu te fais défoncer par les mobs vite. Et pour avoir des cœurs, faut faire beaucoup de temples. J'en ai pas fait beaucoup. Et j'ai pris deux fois l'endurance. Après, un grand sage m'a dit t'as besoin de vie quand tu te fais taper, quoi. Tu tapes plus fort que l'ennemi, il a pas le temps de te taper. J'essaie d'écouter les bons conseils. Augmenter mon endurance, est-ce que c'est pas augmenter un peu mon attaque? Au final. Ouais. Oh attends! Là il y a un Korogu, c'est sûr. Attends. Non, sérieux? 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah non, ils sont déjà pareils, je comprends pas. C'est pas un truc à Korogu là? Ah, peut-être pas. Oh, on peut faire comme ça en fait, c'est trop bien. Bah, j'ai plus à gâcher mes armes. Bah, voilà, hein, go. Putain, je suis bête, j'ai toujours gâché mes armes en fait pour rien. Ah, ouais, c'est trop bien. Allez, la forêt! La 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 la. Ouais! Putain, t'avances bien, Kemnor, GG! Message écologique! De ouf! C'est tellement ça! Boum. Tu peux raser une forêt avec des bombes. Boum. Et récolte les pommes. C'est trop trop bien. Merci Breath of the Wild. T'en as vraiment gagné du temps, Kemnor, comme ça? Le château, je suis pas sûr. Vive les pommes! Putain, c'est trop bien, maintenant je peux récolter les pommes facilement! C'est trop cool! Manger des pommes! Chirac disait. Zelda l'a fait. Ouais. Ok, go. Oh là là. Comment on fait pour... Ah oui, voilà, la tablette.
Je rappelle, ça je l'ai déjà fait hein, avec Vix en live, donc on skip un peu. Je vais pas tout relire, on a tout lu en plus. Non, non, putain, où est Stitchy, quoi. Elle était longue sa quête en plus. En vrai, elle était stylée, hein. J'avais bien aimé. On s'était tapé des bonnes barres sur cette quête. Dur. Ok, on va remettre le feu, t'inquiète. Je sais faire ça. Mais ouais, il me faut absolument le... Oh! L'appareil photo. Oh ouais. Bah oui, il fait pas beau. Après, c'est bientôt la fin de la pluie, donc ça va. Pour avancer. Oui!